Bonjour YouTube. Keeper, Greedier, le dernier objectif de personnage qu'il me reste à faire. Quel plaisir. J'ai pas joué à Isaac depuis au moins 1000 ans. Ça fait une semaine à peu près. Une semaine. 1000 ans égale une semaine. Toothpick, on aime bien Toothpick ou pas? Alors, je pense que c'est ok en vrai quand tu commences Toothpick, mais... On a envie d'un truc un peu plus vénère quoi. Je vais là, voilà, je sais que c'est de la merde hein, évidemment. Ah. Vas-y, là il y a une secret et dedans il y a un truc de ouf. Ok. Merci Kylian pour le follow, bienvenue. Tu vas y arriver. Non mais en vrai, il suffit qu'on casse le jeu, tu vois. Je vais te trouver un truc qui nous permet de casser le jeu et on est bon en fait. Bon, ça c'est dégueulasse, hein, mais je vais voir le shop au cas où. Momski dès le départ, c'est cool. Le backpack c'est cool aussi. Mais on va. Non. Non, 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 non. Donc là on cherche un gros start évidemment. Hein. On veut que ça parte bien. Donc ça évidemment c'est immonde. Vraiment immonde. Hein. On a un petit coffre, on a... Ouais non, franchement Isaac, j'avais trop envie ce soir. J'avais trop envie, donc j'écoute mon cœur. Sauf je vous l'avais dit hier, je sentais bien que ce soir j'aurais eu envie de faire du Isaac. Moins 5 seulement le... Oh ouais, c'est chiant. Hein. Oh c'est chiant. Hein. Oula, je sens que je vais avoir du mal à me mettre dedans là. J'ai les yeux, ils ont du mal à suivre le personnage. Ouf. 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 Bon. Ouais, on va peut-être essayer. Hein. Petit pentagramme dès le début comme ça là. Petit caca. Allez, 5 pièces dans les caca et on est bon. On est parti. 5 pièces dans les caca, on est parti. Salut Liner, comment tu vas? Et bonsoir à tous ceux et celles que je n'ai pas encore vus. Non mais vas-y, 5 pièces là. Merci. Hop. Allez, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Les objets sont horribles. Hein. Les objets du shop sont horribles. Momswig, j'aime bien. Hein. Momswig, j'aime bien. Hein. C'est pas... Je pense que la plupart des gens sont pas forcément hyper fans, mais j'aime vraiment bien moi, Momswig. Ok, bon bah écoutez, on va essayer de starter avec ça, on verra ce que ça dit. Hein. Salut Alex. C'est quoi ce personnage de mort? Encore, t'as pas tout lu. Hein. Mais putain, ça commence. Je vous l'ai dit, je suis pas chaud là. J'ai les mains gelées en plus. Après, en vrai, en Greedier, ça devrait aller, parce que tu droppes des pièces partout. Donc ça devrait aller, mais c'est plus pour le boss final où ça va être compliqué, je pense. Oh, puis il faut savoir viser aussi. Hein. Oh, il faut vraiment savoir viser. Hein. Oh, je suis tellement froid là. Je vais me réchauffer. Zen, soyons zen. Ah. Mouais aussi. Hein. Merci. Oh là là. Alors je recommence à chanter les classiques de la chanson française. Ça part mal. Hein. Cette soirée, ça part mal, je vous le dis. Non mais drop des pièces aussi. Le relou. Mais quel personnage de mort. JPP. Mais putain, mais je suis trop con. Par contre, on va avoir zéro thune en fait. C'est bien, on va pas mourir, hein, mais on... Zéro thune. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Jeu de jambes, Zinedine. Oh, il me faut un des 20. Ah. Oh oui. Merci. Voilà, chez... Ouh, ok. Oh, ça commence. Ça commence, les sales ambiances là. Ok, bah on y va. Je voulais voir s'il n'y avait pas un truc à acheter vite fait, mais on y va. Agaga. Merci. Agaga. Attends, j'arrive. Il va faire meurre d'un coup et je vais te vénère. Il meurt. Ok, oh oui, oui, vraiment mort. Ah non, 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 c'est vivant ça. C'est vivant et ça fait mal. Oh, ils arrivent, ils sont deux. Ils arrivent, ils sont deux. Je crois que j'ai vu les deux. Ah! Mais non, mais il a pas fait la même attaque que l'autre! Il va me. Oh, oh, oh! Non, mais ils sont chiants, ils spawnent sur les pieds là! C'est trop relou! Heureusement, ils ont 3 PV, mais ils sont trop relous à spawn sur les pieds comme ça! Voilà, allez! Bah. Oh, les relous! C'est le Meltang! Comment ça va? Ah, Pin. Salut. Bon, Pin, ça va, hein, on est content. Ok. La maîtrise du joystick. Pas de pièces, malheureusement. Petites araignées qui font quand même pas mal de dégâts, du coup. Hein. Et
Et du coup, Mom's Week, c'est quand je tire des larmes ou c'est quand mes larmes touchent des ennemis? Parce que j'ai l'impression que des fois ça spawn alors qu'il y a personne. Parce que si c'est ça, je maintiens. Oh oui, non, mais c'est vraiment quand je maintiens le stick en fait. Ok. Bonjour. Mais putain, mais j'ai vraiment pas de chance, c'est abusé. Je vais mourir ici. Oh, ça m'énerve. Non, ça va en fait. Oh, s'il te plaît, merci. Lump of call, merci. Non, en fait, ça va. Ça va. Non, en fait, ça va. Ok, j'ai 19 pièces, ça va en vrai, c'est honnête. C'est honnête. T'as pas raté grand chose, Masco. Merci, Liner, du coup, qui dit ça va et toi? Moi, ça va parfaitement bien, merci beaucoup. Tout va bien, petit Isaac ce soir, j'avais envie, ça me fait plaisir. Je me fais un peu plus plaisir sur les lives maintenant. Je me questionne plus trop sur la prog en me disant oh là là, oui, mais les gens attendent ça aujourd'hui, il faut que je donne ça aujourd'hui, sinon les gens vont être vénères. Voilà. Je me dis, bon, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, du coup je fais ça. Tout simplement. Salut Hello Eloi, comment tu vas? Salut Sabri. Bonjour à vous. Bonjour à vous. C'est quoi le but du jeu? Est-ce que quelqu'un se sent d'expliquer dans le chat le but du jeu? Squeezie, c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est... Tire des lait, quoi. Bon, en vrai, c'est pas ouf. Ouf, Dolly par contre. Non, mais c'est pareil, c'est pas ouf. C'est juste un tears up en fait. J'ai pas de bombe. J'aurais bien voulu avoir une bombe. Mais regardez, mon intelligence suprême me fait, voilà, une bombe ici. Qui va me donner ici une clé et une batterie. Et une salle secrète. Non, mais là, vraiment. Bon, c'est pas ouf. C'était pas ouf, mais ce que je peux faire déjà pour augmenter mes chances de survie, c'est faire ça. Et aller rechercher la batterie. Ça au moins, on est bon. Par contre, il y a un petit bouton là-bas. Parce que thème, c'est le principal. Ah bah oui, non mais il faut. Oh, ouais, j'ai plein de mouches. Bonjour. Bon. On va se dire que ça va. Et Dolly, est-ce que Dolly on prend? Je pense pas. Je pense pas qu'on prenne Dolly. Hein. Mais ça coûte 7, ça se trouve derrière, il y a un truc de ouf. Un tears up à 7, ça se prend, allez. Bah, en vrai, Oh, j'ai tout pris. C'est déjà un peu mieux. Hein. On se déplace un peu plus vite, c'est bien. C'est bien. Le Dolly serait pas mauvais à prendre. Si, non, en vrai, ça va. Enfin, c'est juste que c'est juste un tears up pour moi, vu que ça me donne des mouches, les cœurs. Et je peux pas avoir de cœur sur ce personnage-là. Mais, en vrai, le tears up, c'est cool quand même, tu vois. Tu tapes à 21, c'est quand même plus confort, quoi. Mais là, je bouge un peu plus vite, donc c'est cool. C'est mieux. Merci Fulgu, c'est gentil. Ouais, du coup, je sais pas, personne n'a expliqué dans le chat. En gros, YouTube, j'arrive. Yes. Et évidemment, tout est aléatoire, hein, j'ai pas précisé. On y va. Ok, mais mes mouches, visiblement, archi vénère. En vrai, j'ai un bon début de build. Hein. Faudrait juste que j'arrive à build un peu plus de mouches encore. Mais déjà, là, avoir un petit peu de tirade comme ça sur Keeper, c'est cool. Hein. Ça fait plaisir. J'en ai du dégât quand même, mine de rien. Surtout avec le Pof Call. Donc, le Pof Call, ce que ça fait, c'est que mes larmes font de plus en plus de dégâts. En fait, plus elles s'éloignent de moi, plus elles font de dégâts. Plus elles parcourent de distance, plus elles font de dégâts en fait. C'est pour ça que vaut mieux que je me tienne vraiment loin. Si vous voyez, si vous voyez bien sur l'écran, vous verrez que mes larmes deviennent de plus en plus grosses. C'est très léger, hein. Mais au fur et à mesure où elles se déplacent, elles sont de plus en plus grosses. Hop. Il y en a une invisible là. Ok, parfait. Parfait, j'imagine qu'il y en a en haut, parfait. Et ben ça se met bien ce build là, en vrai. Est-ce qu'il y a un truc que je veux acheter? Genre le cœur, on s'en fout. C'est dommage parce que... Ah, c'est dommage. C'est dommage. Après je pourrais tenter un reroll. De toute façon, il va falloir que je reroll des trucs, hein. Si je vais essayer de casser le jeu... Je vais laisser des pièces. En vrai, j'aurais peut-être terminé avant de reroll. Je vais de reroll une fois. Les mouches font le double de dégâts. Ouais, mes mouches font le double de mes dégâts, moi. Donc là mes mouches elles font 13-40 quoi, 13-44. Est-ce que Binky on aime bien? Ça coûte 15 hein. 15 pour un tears up encore, ça fait cher non? Après le tears up on sait que c'est un peu le nerf de la guerre, mais je vais peut-être chercher d'autres trucs que ça non? Je vais pas reroll plus maintenant, hein. Mais je sais pas, ça me paraît cher. Pour un DD tu peux prendre le cœur après ou tu peux jamais réaugmenter tes HP? Ouais tu peux, mais en vrai je préfère partir sur les God Room plutôt que de me bloquer sur des Devil Deal. Ou derrière, de toute façon je pourrais rien prendre de plus si j'ai pas d'autres HP up tu vois. Donc en général sur Keeper tu préféreras de toute façon jouer God Room. Donc ça c'est giga cool hein, je l'ai pas dit mais giga cool qu'on ait eu
Un boss qui donne des pièces quand il meurt. Faut que je vais être plus loin, faire plus de dégâts. Attention, il arrive, non? Ah, je pensais qu'il arrivait. Il arrive. Je me suis pris un... Ok, super. Donc je me soigne, ce personnage-là est très particulier, je me soigne en prenant des pièces en fait. A chaque fois j'ai peur de Pip alors qu'en vrai... En vrai c'est pas de lui que j'ai peur, c'est de l'autre là. La version évoluée, dont j'ai oublié le nom, mais qui est absolument horrible. Blood. The Blood. Qu'est-ce qu'on en dit du Tears Up en vrai? Je pense pas que ce soit ouf en vrai le Tears Up. Hein. Oh là là, quel enfer. Il va me popper dessus, Ohé ohé. Ah, ils sont deux quand même encore. Oh là là. Bah, du coup j'en ai trois quoi. Super. Ah bah lui quand il va commencer à péter un câble, ah bah super. Super. Je déteste ma vie. Mais putain, non mais ça c'est horrible vraiment. Je déteste ça quoi. En vrai je comprends même pas comment tu peux trigger leur apparition du coup. Bah voilà, non mais c'est horrible vraiment, tu t'es obligé de prendre un dégât en fait. J'ai jamais compris ça, y a peut-être un truc hein, à savoir. Genre à tout moment là il spawn sur moi en fait. Hein. L'autre il est mort aussi? Ah non il est pas mort. Bon il est sous terre, il attend que j'arrive et voilà 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 voilà, je comprends pas en fait. Concussive Tears. Ok parfait. Meurs s'il te plaît, meurs. Oh bordel. Ah yes, la God Room. Allez, donne-moi un truc de ouf. C'est de la merde. Putain. Ah c'est de la merde, j'en veux même pas en fait. Je le prends même pas. Oh, je le prends même pas. Gridier, c'est grid en super dur. Ouais, c'est ça. Et on est en train de faire Gridier du coup, Tistou. Et c'est le dernier objectif de personnage que j'ai à faire. Après ça, j'aurai fini tous les personnages du jeu. Mais ça va pas être évident. Est-ce que Binky du coup pour 15, on se dit que c'est oui. Par contre la clé à 3 on va prendre, je vais peut-être même en prendre 2. Histoire d'être tranquille. Mais est-ce que Binky à 15, oh, je pense que ça fait cher en vrai, je pense que je descends juste là. J'aurais envie de reroll un coup mais... Autant descendre en fait. Allez. Non mais ces boss là vraiment j'ai jamais compris comment tu fais pour les faire sortir de terre sans qu'ils te défoncent en même temps en fait. Oui c'est pour ça que les pièges je les laisse parce que ça me soigne. Hein. Effectivement. On va prendre, c'est un look up, c'est un peu nul. Aïe 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 aïe. Faut que ça démarre. Hein. Faut que ça démarre vraiment, en vrai on a un début. Oh là là, le descend. Est-ce qu'il y a un monde où le descend, je le prends et on essaie de faire un truc avec? Je pense pas. Ça serait un peu gâché là, non? De prendre le descend. Parce qu'en vrai, la run start correctement, faudrait juste avoir un petit truc en plus, quoi. Ça lui fait. Non mais vous allez dire oui, parce que voilà, vous aimez le lol pour cent, vous aimez rire. Comment ça se fait que t'as une God Room vu que j'avais pris le Lump of Call? Lump of Call, en fait, c'est un objet que Krampus lâche. Ça compte pas comme un objet de Devil Deal. C'est pas un objet que tu achètes avec des cœurs en fait. Donc c'est pas un objet de Devil Deal. Ce serait un descend de tenter. Bah je... non mais je sais pas en vrai. Je sais pas en vrai. Go rester safe. Ouais en vrai. C'est dommage. Ce serait gâché. Ah, Tears Up Speed Up. Damage Down. Ça fait le Damage Down fait chier. Le Tears Up Speed Up est cool. Après en vrai le Damage Down de 10%. Je gagne combien de Tears Up? Ah c'est 1,7 de Tears Up. C'est énorme hein. 1,7, ça va me faire du combien en moins? Ça va me faire du 10 en moins. Je pense que ça se tente en vrai. Allez. 14 en moins. Ah ouais. Par contre, j'ai perdu 0,89. En vrai, ça va encore. Ça aurait pu être pire. Ok, on y va. Dommage. Ouais, là déjà c'est ultra confort parce que on se retrouve avec une run où je peux tirer des larmes sur mes ennemis de manière consistante. Je suis pas obligé d'attendre 5 secondes entre chaque. Bon, comment j'ai survécu, je ne sais pas, mais j'ai survécu, donc c'est parfait. Un monstre. J'ai rien vu, j'ai pas fait exprès. Ok, il en reste un là-haut du coup, qui est en train de se balader.
Oh, il y a des fois, je prends. Il y a des larmes que je prends pas, je sais pas comment je fais. Hein. Wouh! Ok, c'était propre ça. C'était propre. Y a rien. En vrai, j'ai pas de bombe non plus, c'est chiant. C'est quoi ça? Ça reroll quoi? Reroll tes stats? Ah ouais? Ok, marrant. Salut Mehdi! Comment ça va? T'es un monstre. Non mais je suis. Voilà. Salut Jean Barbiche! Oh bah lui il est mort. Oh lui il est tellement mort quoi. Oh lui par contre il va me. Il va me saouler. Il va me saouler. Et j'ai une pièce pas loin. Non 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 non! Non, en fait ça va ça! En fait ça va. Oula! Non mais avant c'était marrant! Avant c'était marrant, mais là c'est mon drôle là! Venez là! Voilà, mettez-vous en ligne là, voilà, c'est parfait. Mais non, pas un Devil Deal! C'est le 10 main. Mais non! C'est Tarot Cloth là? Est-ce que je prends Tarot Cloth sachant que j'ai un HP up au shop, il me semble? Je les reroll ou pas le HP up? Je crois que je l'ai. Ah, je crois que je les reroll. Merci Phil Spike pour les 29 mois. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Merci beaucoup Phil Spike. 29 mois, c'est beau. Hein. Est-ce que j'ai reroll le HP up? Quelqu'un se souvient de ça? Non, mais en vrai, c'est. Tarot Cloth, c'est bien, mais faut avoir une carte quoi. Faut avoir une carte ou une rune, un truc quoi. Salut Psychopatra, comment ça va? Bonsoir, merci de nous rejoindre sur du Isaac. N'hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas le jeu, si vous le découvrez. Le jeu est vraiment archi cool, ça fait 250 heures que je joue. Il est incroyable, il y a encore pas mal de choses à faire. Mais on arrive sur la fin de la première run, la première save, pardon. Donc voilà, je bois un petit coup. Ouais. Je bois un petit coup. Qu'est-ce que vous pensez de Tarot Cloth contre un cœur? Donc on se ferme les God Room. En vrai, je pense que j'ai pas envie de prendre, mais Tarot Cloth peut être déterminant pour le combat contre Grinier en vrai. Ah, je pense pas que ce soit le bon plan. Il est sorti sur PC, Switch, PlayStation, Xbox, je pense. Bah, sur un peu tout en fait. Non, en vrai, je prends rien. Allez, je prends rien. Je ne prends rien. J'aurais dû faire une commande pour Isaac. En fait, ça fait très longtemps que je stream Isaac, mais c'est vrai que vous êtes quand même très très nombreux à me découvrir. Ouais, j'avais bien laissé un HP. Vous êtes très nombreux à me découvrir en ce moment, et du coup, c'est logique que pas mal de gens ne connaissent pas le jeu. Je vais essayer de reroll une fois, hein. Ça fait chier de mettre des pièces, mais. Blood Clot. Oh, ça fait chier. Franchement, mettre 15 pièces pour un truc qui va marcher une fois sur deux, ça fait un peu chier quoi. Parce qu'en vrai, là, je commence à être bien hein, niveau build. Hein, en vrai. Je suis assez rapide. J'ai des dégâts corrects, mais j'ai un triple shot qui tape à 7. En vrai, c'est cool. Hein. Mon étage dans cette run, bah, il en reste 3. Comme tu vois. Enfin, 4 avec celui dans lequel j'arrive là. Bookworm. Les mouches. Bon bah Bookworm. Après ah oui si Bookworm avec lui c'est insane non? Bookworm avec lui ça fait combien de larmes du coup? Ça en fait 6. Ah, en plus je m'étais dit si à l'étage suivant il n'y a pas de reroll machine, c'est un peu chiant. Il n'y a pas de bombe non plus. Du coup je pourrais pas prendre le coffre qui est là-bas. Sauf si je peux voler à un moment donné. Il y a un autre coffre ici, j'ai pas de bombe. C'est un enfer. C'est un enfer. Si seulement j'avais acheté une bombe à l'étage inférieur, j'aurais eu deux coffres là direct. Le Cube of Meat me tente, mais en vrai c'est dur à jouer avec lui. En vrai je vais rien prendre ici, hein. Je vais rien prendre à cet étage. Hein. Si je survis, je crois que je vais rien prendre. Oh. Ok, on a une pièce. Très bien. Deux pièces, cool. Meurs, merci. Trois pièces, ça pop souvent. Putain, comment j'ai fait pour pas prendre ça? Là faut vraiment expliquer par contre, hein. Comment j'ai fait pour pas prendre les deux lasers là? J'ai l'ultra instinct. Il m'a jamais vu. Il sait pas comment je m'appelle. Il a pas mon adresse. Il a pas mon numéro. Oh, au secours. Non, 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 non. Oh, je les déteste. Je les déteste. Je les déteste de tout mon être. Mais cassez-vous. Mais putain. Agagaga. Oh, putain. Oh, l'ultra instinct. Mais le génie. Mais putain, mais je suis un génie. J'espère vous rendre.
Mais le jeu de jambes ce soir, il est incroyable, hein. Oh, oh là 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 là, mais le monstre en fait. Je suis juste un, je sais pas, j'en ultra instinct. Je suis éclaté, hein, mais oh, le monstre. Oh, bah, non, c'est bon. Salut Fougère, ça va? Merci Arca! Merci pour les 28 mois! Je vous souhaite de passer une excellente soirée, merci beaucoup Arca! C'est gentil, merci pour les 28 mois, merci pour le soutien depuis autant de temps, vraiment, merci beaucoup. Merci énormément. Salut Zeltank, comment ça va? Non mais en vrai, Bon, ça va. 3? Kiki. Aucun des deux meurt, voilà. Tout ce que je voulais. 1, 2! Ah, aïe, c'est bon. Oh non, pas Carrion Queen. Il va me sauter dessus, hein. Oh là là, non, pas les caca rouges, pas les caca rouges. Pourquoi il part de biais des fois comme ça sur la fin? Comprends pas, comprends rien. Ok, meurs. Ok, bon, faire attention aux caca rouges. Oh non, bah double. Oh là 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 là, la double peine. La double peine, non. Non. Non, c'est horrible. C'est horrible. Il y en a un qui va me rusher, je vais pas être bien. Bon, faut que je termine lui parce que je l'ai mis lourd en life là. Donc, quoi qu'il arrive, ouais, il est bas en vie. Parce qu'il commence à partir de biais, visiblement. Ok, c'est bon. Je me sens mieux. Allez, donne-moi une God Room là juste après. Néon, néon, non, néon, non, néon, néon. Ah. C'est bon, part de biais, part de biais. C'est la fin. On est Rico. On l'a bloqué. On l'a bloqué. Il sait plus comment il s'appelle. Il a oublié. Allez, God Room. God Room. Gégé. Il est mort? Il est pas mort! Est-ce qu'il y a un monde où je prends le Book of Sin pour avoir le Bookworm? Je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il y a aucun monde où je fais ça, c'est horrible. Cet étage il était horrible. C'est le seul jeu, tu peux dire que les cac. Tu peux dire pas les caca rouges sans avoir mangé? Mexicain. Oh, c'est dégueulasse! C'est dégueulasse hein, ce que vous faites! Discord patine! Ah, il y a des problèmes sur Discord? Oh là là. Oh, puis Vlof, la mini nulle que je me tape, quoi. Bon, 55 pièces. En vrai, est-ce que je prends ça? Je pense pas. Y a aucun monde où ça m'aide vraiment. Si j'ai Alguise. Non, mais non, non, non. Non. En vrai, de toute façon, là, c'est soit ça décolle vraiment. Genre, il se passe un truc à l'étage suivant, je chope un item de ouf, machin, voilà. Soit je restart parce que j'ai pas le build. Je sais pas ce qu'il faut. Enfin, après, je dis ça, mais Ah non, il drop pas de pièces, surtout il les ramasse en fait les pièces, le boss. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Le jus de Jésus. Une clé. Une reroll machine. Un coffre. Dans le coffre, il y a Cricket Sen. Ça me paraît évident. Bonjour. Ça, c'est cool. Ça c'est cool, ça je vais le laisser, parce que bon, admettons si je prends un Devil Deal, bon bah voilà. C'est Abel le familier? Non, c'est comment il s'appelle lui? Je sais même plus. Franchement, ah ouais, mais du coup ça coûte cher maintenant, je suis trop con. Non mais il y a une secrète là, regardez. Attends, pourquoi il y a plus de bombe là? Pourquoi la bombe a été remplacée par une clé, c'est quoi ce bordel? Ça se peut ça? Je pensais que les bombes ça restait tout le temps une bombe moi. Pourquoi c'est... Hein? Salut Astré, comment tu vas? Pas tout compris là. Oui ça se peut. Mais j'ai jamais vu ça. Pas obligé là. Hein. Je commence à avoir beaucoup de déplacements là, c'est pas mal. Hop,
C'est horrible de faire ça, hein. C'est nul, hein. C'est très certainement nul. Hein. Elle peut pas être là? Je sais plus. Bonjour? Sprinkler, en vrai, c'est dégueulasse. J'ai combien de picouze? J'en ai qu'une, hein. Ouais, j'ai qu'une seule picouze. En vrai, ça serait la deuxième, elle est à 7. Ça me mettrait ma speed à fond. Ça me mettrait mon shot speed à fond. Sprinkler, ça fait envie. Oh, je trouve pas, moi. Tu trouves que ça fait envie? Je suis pas certain, en vrai. Enfin, Sprinkler, pourquoi ça ferait envie, Sprinkler, en vrai? C'est fort en gridier, oui je suis d'accord, mais est-ce que vraiment ça va faire la game, tu vois? Est-ce que j'ai envie de mettre 15 pièces là-dedans? Je sais pas. Vous trouvez ça vraiment cool, Sprinkler? Genre insane, quoi. Sprinkler, c'est genre ok pour les salles parce que t'en poses 40, mais pour le grid... Voilà, c'est ça, c'est pour le boss final, on s'en fout un peu. Après, la tête de chat aussi, hein. T'as besoin de ton faiseur de pièces. Là? Pour ça, tu veux dire? Pour farmer là, ouais, je suis assez d'accord. Plutôt que les mouches. Bon, on va tenter ça. On va tenter ça, puis on verra ce que ça dit. Sprinkler, c'est ok avec Brimstone? Non, c'est surpuissant avec Brimstone. Petite pièce de 5 là. Sur où? Ok. Je devrais être plus dans l'agression là. Ce qui est bien, c'est que j'ai une range de ouf. Du coup, je peux me permettre de snipe les ennemis sans vraiment trop regarder. Parce que je fais des dégâts de ouf de loin en fait. J'aimerais bien réussir à buter un des deux avant qu'il commence à rouler. Merci. Parfait, ils ont rien fait. Donc, ils ont rien foutu. Oh là, mais Zidane ce soir, c'est incroyable, hein. Oh là, même là, la dernière esquive, elle était incroyable, hein. En vrai, je vais me permettre de prendre ça, je pense. Milk, c'est Osef. Enfin, breakfast. Sprinkler, j'ai pas envie, hein. Sprinkler, j'ai pas envie de mettre 15 là-dedans. Je préfère garder 15 pour un truc plus tard, parce que Sprinkler tout seul fera rien, en fait, sur le... Enfin, après, il va avoir un débit de l'arme à 7, il va tirer 3 larmes aussi, hein. En vrai, c'est peut-être pas si dégueu, mais il faudrait juste un truc qui puisse générer des batteries, quoi. Je suis pas fan. Hein. En fait, je trouve que seul ça fait rien en fait. C'est un peu le problème. Je trouve que seul vraiment ça fait rien. Et le problème, c'est que je commence à être loin comme en termes d'étage là. Ah merde, ça c'est con par contre. On a des dégâts là-dessus. Ok, ça c'est bon. Ok. Parfait. Je vais mettre ici. Ah merde, je savais pas qu'il y en a qui venait du... Oh, au secours! Oh, au secours! Sprinkler, j'aime pas. Je suis désolé, mais je vais passer. Hein. Prendre une bombe. Ouais, non, en vrai, c'est débile de prendre la bombe. Si, ça me ferait un... S'il y a une pièce de 5 sur le mob ici, ça me fait un reroll gratuit, quoi. Yes. La carbatterie. Carbatterie du coup avec Sprinkler aurait été cool. Mais malheureusement. Malheureusement le Sprinkler, je lui ai dit non. Oh, y a rien. Oui, ça restait cool, mais. J'ai même pas d'activable en fait. Prendre 15 pièces pour un truc qui pour l'instant ne me sert à rien, je trouve ça un peu dommage en fait. Un par un, tranquillou. Tranquillou, là c'est gratuit en vrai. Moi je dis tranquillou mais j'y vais comme un cochon. Hein. J'y vais comme un cochon. Mais bon là, en vrai c'est tranquille. Avec mon débit de l'arme, le triple shot.
Faut pas se passer grand chose en vérité. Allez, Godroom. Mais bordel! Dead Cat, Abaddon. Et j'essaie de trouver un HP up. Ok. Et oui, effectivement, j'ai un HP up ici. Parfait. Très bien. Je pense, bon, on a toujours pas de build pour gagner, hein, mais. Salut, chers Raptors. Je pense que si je comprends, je vais pas aimer, alors je préfère regarder. Pas de problème, Itachi. Moi, ça va, merci, chers Raptors. Bon, en vrai. Du coup, ça me fait quand même deux items de Guppy. C'est con parce que si j'avais pris le collier tout à l'heure, on était bon quoi. Bon, non, bah je vais juste descendre. Hein. PhD, y a aucun monde où tu prends le PhD, je pense. J'ai bien pris l'item qui était dans cette salle là. Hein. Ouais. Non, mais là, y a aucun monde où je gagne contre Creedier. Hein. Y a aucun monde. Hein. J'ai pas un build suffisamment bon. Hein. Fais voir. Un peu triste, hein. Un peu triste. Après, à tout moment, ça, c'est un Two of Diamond, hein. Oh, merde. Bon, j'ai deux bombes. Pourquoi je voudrais absolument taper le marchand? Parce que peut-être il y a 7 en tout. Mais s'il y a rien. Stonks. Bon, là... On s'en fout les deux. La carte. Oh, mais je me fais troller! Mais. Two of clubs. Café une pile, c'est Osef. Tout ça, c'est Osef. Allez, mets-moi un petit D20 là. Petit D20 là. Ça ferait la troisième piqûre. Ça ferait un damage up du coup, mais bon. Pourquoi autant de mouches alors que tu n'es pas Guppy? J'ai pris Abaddon juste avant. Et comme je suis keeper, je peux pas avoir de cœur ou de cœur. Donc les cœurs se transforment en mouches pour ce personnage là. Ghost Pun. Non mais vraiment c'est worse tu penses? Non je pense pas. En fait ça me fait pas win en fait, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il me faut pour win? Après, je dis ça, ça se trouve, ça va. Hein. J'ai quand même des dégâts absolument dégueulasses. Hein. Après, il y avait mes mouches aussi là qui m'ont aidé. En vrai, j'ai quand même un DPS de ouf, mais sur Gridier, je suis pas certain que ce soit suffisant. Oula! Ok, cool. Le petit pic là. Ouvre-toi! Merci. 27. Tant de photos, je m'en fous. Deep pocket, ça peut être cool si je chope des runes justement. Tu as pas un item de Guppy, t'es vraiment bien parti. Bah ouais, mais il va falloir que je régène, tu vois. C'est le problème, hein. Achète pour rien, garde tes pièces, pour quoi faire? Ah, pour qu'elle drop au sol. C'est ça que tu veux dire? En vrai, j'ai une bombe, de toute façon, donc je peux l'utiliser. Ouais, mais il va les ramasser, en fait. Hein. Ça me permet pas de recharger mon item dans le temps, hein, d'accord hein. Ça ne fait pas devenir mon item un truc qui recharge dans le temps et qui peut se relancer toutes les X secondes. Si, il me semble. Non, parce que ça c'est craqué, mais je pense pas que ça marche.
Si c'est ça, c'est craqué. Ça, ça pourrait me permettre de gagner. Quand tu, fais toucher par grid, tu perds des pièces et tu peux te heal. Oui, mais il les ramasse, les pièces. Et c'est un mob qui, justement, va chercher les pièces en plus. C'est pas genre il passe dessus par hasard, il les ramasse. C'est... Il va chercher les pièces. Donc, j'ai pas envie de compter sur ça, en fait. C'est trop... trop compliqué, je pense, de jouer juste sur ça. Et oui, voilà, il les ramasse et il se heal en plus, donc... Non mais 9 volts, faudrait... Bon, écoute, je prends, on verra. Je pense pas. Je pense pas que ça marchera, mais on verra. Ça marche. Oh putain, ça marche. Ok, il y a peut-être un truc à faire là. Il y a peut-être un truc à faire, du coup, si je suis juste assez bon sur le boss final... J'ai mal. Si je suis assez bon sur le boss final, il y a peut-être moyen du coup. Vu que ça recharge avec le temps, par contre, c'est très long quand même. Pas tout demander non plus, hein. Ah, c'était vraiment ça le deuxième boss? Ok, ça me va. Donc ça marche. Donc en fait, je peux rester là et farmer la thune à l'infini, en fait. Non. Non. Non plus que la feuille. Ah, en vrai, j'avoue que c'est génial de livre, c'est win. Hein. C'est très long. On va pouvoir aller se faire un café, mais si génial de livre, c'est gagné. Hein. J'ai mal. Ah, je suis mort. Je suis mort. Ok, on a un deuxième HP up si jamais, mais bon. Hein. Fais attention, hein. Pas évidente cette salle, hein. Ah oui, parce qu'en fait, si je marche sur le sang, c'est lose. J'ai mal. Ok, c'est bon. Ok. Et il y a un deuxième HP up si jamais j'ai besoin. Dommage. Oh, j'aurais bien voulu un item là. Ça compte pour quel étage du coup, Sheol? Ça, il peut rien m'arriver d'horrible. Non. Ouais, il me semblait bien. Ça veut dire que c'était qu'une seule pièce. Ok, bon bah c'est le boss juste après là, donc il faut un miracle. Il faut un miracle. Ça en vrai, c'est ok. Je suis d'accord avec vous, ce que j'entends déjà. Hein. C'est ok, mais ça me fera pas win en fait. Ça ne me fera pas win. Ou alors il va falloir que je sois très 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 chaud quoi. Vraiment très très chaud. Bon bah écoutez, on va y aller hein. En vrai je pourrais tester la curse. Il peut y avoir un item de Guppy dedans. Mais si je... Ouais non, parce que si je meurs, bon, y a un HP up là. Allez. En vrai, l'item de Guppy se tente. Mais en fait, j'ai peur de rester coincé dedans parce que je sais plus comment ça marche. Parce que quand tu rentres dedans, tu perds une pièce. En ressortant, tu vas mourir. Donc, tu vas revenir dans la pièce d'avant. Du coup, je sais plus. Je crois qu'il faut mourir sur la porte en fait et rester à l'intérieur. Par contre, si je perds. Ah oui, non, mais si je perds une vie, je reset. Ça sert à rien. Prendre le dégât sans sortir, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il faut que je fasse de toute façon. Et en sortant, je prends le HP up. Et on descend. Allez. Oh, 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 oh là là. Oh, c'est pas ouf, hein. Au pire, je meurs là, non? Ah, mais attendez, ma pièce, c'est bon. C'est bon. Ah, mais je l'ai ramassé, mais quel con. Merci, Dumpika. 13 mois, merci beaucoup. Ah ouais, le jeu il sait que tu peux tricher quoi. Ah non, par contre
Par contre, il me faut une pièce en fait. Ah mais non, mais c'est... Bah oui, non, mais c'est bon, je suis con. C'est bon. Tant que je me fais toucher, c'est bon. Qu'est-ce que je raconte, moi? Wow. Allez. Ah par contre, j'ai plus de pièces pour me soigner. Ça, c'est un peu con. Ouais, oh, c'est pas grave. Enfin, je dis que c'est pas grave, mais... Ok. Oh putain, j'ai même plus de pièces. Une pièce dans le feu, s'il te plaît. Bon, je vais en trouver une... Oh putain, si je meurs... Si je meurs... La honte. Au pire... Comme ça, on est sûr. J'aurais pu laisser une seule tête et en profiter pour farmer les pièces à l'infini. Oui. Oui. Oui, j'aurais pu faire ça. Mais ça aurait été très très long. Mais on aurait pu faire ça. Mais j'ai mal au cul. Au secours, au secours, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Penny Tears? Putain, j'y ai cru, j'ai tellement cru à Penny Tears. Oh, ça aurait été ouf. Ça aurait été ouf, Penny Tears. Oh là 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 là. Merci Dom Pika. T'as pas regardé ce que ça repop? Ah, j'avoue. J'avoue, je suis juste parti. Quelqu'un a pu voir ou on n'a pas eu le temps? Let's go! On se démarre, let's go! Mais voilà, mais il a ramassé ma pièce! Bah voilà. Non, mais je vous dis, c'est impossible en vrai. La strat du tu laisses des pièces comme ça, tranquille, ça marche zéro. Merde, c'est pas un ennemi, je suis con. Ah, gaga! Je danse la lambada. Touram tatam, touram tatam, touram tatam. Ça marchera jamais. C'est voué à l'échec, hein, je vous le dis. J'ai ramassé ma pièce. Tire con. Il y a des pièces. Il tire. Oh là! La moule! Oh la moule! C'est dégueulasse! Ok, 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 ok. Non, non, non! Oh la moule! C'est dégueulasse! C'est répugnant! C'est répugnant! Oh, je me dégoûte! Franchement, si je finis sur ça, je me dégoûte. Si je finis cette run là, si on y arrive, je me dégoûte. Je vous le dis. Hein. Oh là là, les Penny Tears. Comme ça au pif. Dans la salle du boss quoi. Oh, le spawn kill. Le spawn kill. Bougez-vous, bougez-vous. Ah, c'est bon. Allez, ça part. Ça part, ça part, ça part. Remets-moi les pièces là. Après, il ramasse tout, hein. Tire-plan. Tire-plan, mais je suis quand même beaucoup de dégâts. En vrai, je vais mourir, c'est sûr. Je me vois tellement pas win. Ça me paraît tellement impossible, là. Non, mais stop, là, en fait. Ça, c'est bien chiant. Hein. Voilà. Non, j'ai vraiment pas le beat pour ça. Hein. Vraiment pas. Ça tient pour l'instant, hein, mais j'ai vraiment pas le beat. Hein. Parce que là, ça a l'air simple, hein. Mais il a une évolution. Hein. Il a une petite évolution, genre Mega Drac au feu, X, Y, Z, tout chiné. Vous n'êtes pas prêt, hein, je vous le dis. Non, mais il ramasse toutes les pièces aussi, là. Gros con. Nya, nya, nya. Je pourrais mettre des coups de schlasse aussi, mais j'ai pas envie. Hein. J'ai pas envie d'aller au cac, là. Cassez-vous les pièces. Oh là là, bah, super. Oh, j'ai mis un coup de schlasse, mais j'y suis allé comme un gros sale. Oh, ça va être compliqué. Hein. Oh là, ça va être compliqué. Oh, que ça va être compliqué. En vrai, je faudrait que quand il est dans cette phase-là, faudrait que j'essaie d'aller mettre des coups de couteau, hein, mais. J'ai un peu peur, je me chie un peu dessus, j'avoue. Non, mais meurs, voilà, meurs. Ok, deuxième phase. C'est là où c'est fini. Hein. Vous allez voir tout de suite la différence. Hein. Voilà. Assez cordial hein. Si vous le voyez vous me dites hein. J'ai peur. Il arrive, il arrive. J'ai ramassé une pièce en vouloir, j'ai ramassé. Pire con, pire con. Je me mets là, c'est bon non? C'est bon. Aïe aïe. Ok ok ok, là-haut. Je fais zéro dégâts!
Il arrive. Ramasse-moi le pied, ramasse-moi. Aïe, 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 aïe. Il arrive. Moi je bouge plus. Aïe, aïe, aïe. Non. Aïe. Mes pièces. J'ai mal. Mais j'ai super mal. Non mais je laisse faire son truc, de toute façon il est content, alors bon. Je me mets pas au milieu de la salle parce que si je me mets au milieu, il y a le laser qui va me tirer en face. Il arrive. Poussez-vous. Aïe. Non, pas là, non. Ok, ça peut le faire. Mette là. Gaga. Pièce, merci. Voilà. En vrai, pour l'instant, ça va. Aïe. Je vais mettre là, ici là. Il saute, ok, je me mets là. Là, tout en bas même, tout en bas carrément. Je le touche d'ici? Pas sûr. J'ai mal. Il est encore là-bas? Je vois rien. Si vous l'entendez sauter, vous me le dites, hein. Oh, c'est un look-up. Ok. Mais il est encore là-haut? Aïe. Ah, il était de l'autre côté, je crois. Non mais c'est win en fait, hein. Oh, franchement c'est dégueulasse ce que je viens de faire. Pas d'excès de confiance. Oh et. Pas d'excès de confiance. Aïe. Non. Oh j'ai failli mourir juste avant. Franchement c'est immonde ce que je viens de faire. Oh le penny tears dans la salle du boss. Oh je suis dégueulasse. Bah quel plaisir. Donc pour ceux qui connaissent pas le jeu, parce que tout à l'heure on parle de Penny Tears. Penny Tears en fait c'est ça transforme, vous l'avez vu, hein, mes larmes en pièces. Et en fait ça transforme mes larmes en pièces. Et quand ça touche l'ennemi, j'ai un pourcentage de chance de faire dropper des pièces au sol. Et comme les pièces me soignent. Yes! On a fini les personnages. Oh là là, ça fait si bizarre. En vrai, je sais que plein de gens ont fait avant et tout, donc pour plein de gens, c'est normal, tu vois, d'avoir fini les persos, parce que des gens l'ont fait depuis des milliards d'années, voilà. Moi, c'est la première fois que je finis, du coup, tous les personnages du jeu. Sur ma première save, parce que la deuxième save que vous voyez ici, c'est une save que j'ai téléchargée pour potentiellement faire du streaking sur le Eden. On a fini les personnages, trop bien, c'est trop bien. C'est trop bien. Sur la première vraie tentative de ce soir, du coup, après quelques rerolls, et on a eu Penny Tears. Alors, en fait, ça dénote bien de tout ce qui s'est passé depuis le début que j'ai commencé à jouer Isaac, hein. C'est que... Full moule. C'est incroyable. Combien de chances j'avais, je sais pas combien sont les chances, de faire péter un... Enfin, c'est même pas un mob, c'est un mendiant dans cette salle-là, et que ça fasse dropper Penny Tears, quoi. C'est ouf. Non, c'est trop cool, je suis trop content, ouais. Trop nice. YouTube, j'espère que cette run t'a plu, évidemment. Hein. Jusqu'au bout, j'y ai pas cru. Hein. Mais par contre, quand j'ai vu Penny Tears, je me suis dit, franchement, là, si j'ai un bon jeu de jambes, ça va le faire. Mais en vrai, j'ai bien joué, je trouve. J'ai zinzidané un petit peu toute cette partie, c'est cool. Bref, YouTube, merci de regarder ce contenu. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. C'est comment ça marche. Rejoins-nous sur Twitch. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. À la prochaine, des bisous. Salut YouTube.